Les musées vous manquent ? Bonne nouvelle ! Le Louvre, actuellement fermé en raison de la pandémie de Covid-19, vous ouvre ses portes grâce à sa collaboration avec la marque Uniqlo. On vous dit tout sur la collection Capsule qui sort cette semaine. C'est un partenariat de géants. L'enseigne de prêt-à-porter Uniqlo a signé un accord de parrainage de 4 ans avec le Louvre à partir de 2021. Le but de cette collaboration? Familiariser le public à un grand nombre d'œuvres incontournables et mettre l'art au cœur du quotidien. Au programme, une collection de t-shirts et hoodies sur lesquels sont imprimées les œuvres les plus emblématiques du musée. Qu'attendre de la collection entre Uniqlo et le musée du Louvre? Je suis honoré et ravi d'associer Uniqlo au musée du Louvre. C'est un rêve de longue date devenu réalité. Nous espérons que notre partenariat avec ce musée connu dans le monde entier permettra au plus grand nombre de découvrir et d'apprécier la beauté universelle des chefs-d'œuvre de sa collection, a évoqué le PDG de Fast Retailing, Tadashi Yanai. Cette première ligne de t-shirts et sweatshirts à capuche a été imaginée par le designer Peter Saville, célèbre pour ses pochettes d'albums de Joy Division et New Order. Son approche graphique a été inspirée par le système des numéros d'inventaire utilisé par le musée pour référencer les œuvres d'art. Sur les pièces, on retrouve des célèbres tableaux et œuvres du musée, mettant en avant la représentation de la femme dans l'histoire de l'art comme la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace. La collection sera disponible à partir du 4 février à des prix variant entre 14,90 et 24,90 €. Uniqlo, parrain de la Nocturne du Louvre. Au-delà de ses produits dérivés, la marque japonaise parrainera la Nocturne du samedi. En effet, depuis 2019, le musée du Louvre est accessible gratuitement le premier samedi de chaque mois, de 18h à 21h45. Une initiative qui a déjà rassemblé plus de 160 000 visiteurs depuis sa création, déambuler dans les trois ailes du Louvre, à la découverte des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art et des recoins méconnus de l'ancien palais des rois de France, en cette période difficile, c'est un rêve pour lequel il va falloir patienter. En espérant que l'institution puisse réouvrir ses portes à partir du printemps, d'ici là, on peut compenser son manque de musée en portant ses œuvres préférées, imprimées sur ses vêtements. Retrouvez nos inspirations mode, beauté et food sur notre page Pinterest. Mot-clé Let's Block ADS. Why?